Bonjour VOD et bienvenue sur Resident Evil 4. Resident Evil 4. On va jouer. On est sur les derniers chapitres, on est sur chapitre 15. Du coup, probablement VOD numéro 15 aussi, d'ailleurs, si pas de conneries. Et voilà, et c'est parti. Dis-le, on va faire Dead Island 2. Apparemment, peut-être minuit si elle est pas trop fatiguée. Oh, cool! Bah, tant mieux pour elle qu'elle a une clé. C'est nice. Je savais pas que ça sortait déjà. Dead Island 2. 21 avril. Ah oui, d'accord. Punaise, il sort un jeu. Ah non, il sort un vendredi. Non, je suis désorientée. Désolée. Ok. Eh ben, je lui demanderai ce qu'elle en a pensé, alors. Je lui demanderai ce qu'elle en a pensé. Là, ce que j'avais vu du jeu, ça me donnait pas ultra envie. Alors, j'ai adoré le premier. Mais on verra. Peut-être qu'ils savent juste pas vendre leur jeu. Ça arrive beaucoup plus de fois qu'on ne le pense. On est au chapitre 15. Bien qu'ils aient réussi à régler ses comptes avec Krauser et à clore ce chapitre, Léon a des problèmes. J'ai pas le temps de lire. On était sur une fin de combat interminable contre le sergent-major. Je n'ai plus aucune balle. Plus de vie, plus d'espoir. Voilà, bref. C'est un peu la dèche. C'était quoi déjà? C'était OK, mais c'était quoi déjà pour avoir le coutal? Je me rappelle plus. C'est clic gauche, clic droit? Clic gauche, ok. Oh, ça fait longtemps que je peux pas jouer. Je vais débrancher ma manette puisqu'elle se met déjà à vibrer à chaque fois que je fais un truc. Tic-tac-touc. Ah, ça a tout niqué. Ça a mis mon genre en plein écran, fenêtré, puis n'importe quoi, il a clignoté. Bref, j'ai trop peur. Ma souris, elle est au milieu. Non. Eh oh. Tu me fais passer à la souris. Bon, je vais dans les options et je vais en graphisme. Affichage, plutôt. Non. C'est où? Ah voilà, plein écran. Fenêtre sans bordure. Voilà, c'est bon, c'est réparé. On a quoi dans l'inventaire? On avait un grand inventaire, ce qui est bien. J'ai un truc cassé, mais j'ai un couteau militaire qui est vachement mieux parce qu'on vient de le pécho sur le cadavre du gars. Il fait 3 de... Ah non, il fait 4 de haut. Merde. Ok. C'est toujours la tâche dans l'inventaire, on connaît. On a franchement totalement l'habitude. J'ai même pas de quoi me soigner. J'ai même pas de quoi crafter. Je n'ai plus rien. C'est pathétique, mais j'ai des armes. Mais j'ai rien d'autre. Voilà, j'ai des armes. J'ai mes armes. J'ai pas mes balles, mais j'ai mes armes. Il a combien de balles celui-là? Oh, celui-là aussi, il a plus de balles. Non, mais quel enfer. Bon. On va voir où on en est. Ah! Je me prends des murs. Oh, regardez le coude de Léon! Les bras de Léon, il est tout infecté! Ah, il est pas en forme! Ah ouais, ses bras, ils sont tout. Ils ont toutes les veines toutes bleues, bizarres. C'est pathétique? Oui, Grision, je sais plus quoi te dire au bout d'un moment. Oui, voilà. Alors. Putain, c'est bien gardé là-bas. Putain, on a tellement pas assez de balles, mec! Ça doit être leur sanctuaire. Ah! Y'a Ashley! Ashley! Ok. Faut pas m'encourager, je suis en roue libre là. Ouais, t'es tout foufou là! Je peux plus répondre à force. T'es trop foufou. Du sang bleu, bah, je sais pas. En fait, c'est pas que c'est bleu, hein, c'est même plutôt rouge, mais c'est veines apparentes. Genre même un peu noir, genre le sang il commence à être tout opaque et tout quoi. Quoi? Vous êtes fini, je suppose. Ouais. Dis-moi que t'as des balles, de la vie et tout.
Dis-moi que tu vas pas me laisser en galère, s'il te plaît, bro. Je t'en supplie. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Ouais, un nouveau, je crois. Hein. Oh, ça, t'en auras pour ton argent. Je vais être obligé de prendre ça, hein. C'est 10 000 balles, mais je suis trop obligé, je pense. Il y a une offre spéciale pour le killer. Mais je crois que je m'en fous parce que c'est un magnum et que les balles de magnum elles sont introuvables et infaisables et c'est la merde. Rien de plus facile. J'ai un couteau Minitzer. C'est un travail qui donne... Ah, je peux vendre mon autre couteau du coup si c'est un couteau comme ça. Ah, attendez, on va le vendre. Toute la différence, tu verras. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Attendez, je vais comparer. Si on peut vendre des trucs, c'est bien. C'est où les armes ? Et bonne route. Attends, je sais plus comment on compare, mec. Aide-moi. Examinez. C'était où ? Oh, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Peut-être là ? Non. Ah, peut-être au vendeur alors. Bienvenue. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, j'aimerais bien savoir à combien. Ah, il a un au max, celui-là. Ah oui, non, mais on va le vendre direct. Non, mais désolé, mais là. Ok, ok. C'est bon, j'ai ma réponse. Je vais sauvegarder avant quand même. J'ai pas sauvegardé là. Si, je l'ai fait. Je vais le refaire. 130e save. Bienvenue. Ok. Couteau de combat, c'est lui à vendre. J'ai une clé à molette. Pourquoi j'ai une clé à molette? Pourquoi je garde ça? Tout ça, je devrais vendre en fait. Mais bon, c'est pas comme si ça allait changer grand chose. Pardon. Hop là, je modifie du coup le couteau militaire. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Voilà, ça me semble bien, j'ai tout réparé. Je te souhaite bonne chance. Bah, merci, gentil. Bon. C'est pas facile tous les jours. Hein. Mon arbalète, je peux bien améliorer mon arbalète, mais bon. Modifier permet de compenser un manque de compétences. La ça. Ma marchandise est en parfait état. Je te le prends. Donc ça, j'achète. Tu sais, j'ai pas de... Et quoi comme munitions? Fusil, une munition de pistolet, deux munitions de magnum, hein. Je n'ai jamais trouvé plus. Hein. J'ai seulement 9 poudres à canon. C'est le moment de voir ce que je peux faire, je pense, avec mes échanges. Parce que je pense que 40, on est mal barre. Hein. Coucou Surfwell. Elles peuvent tout faire. Ça, je pense que j'aurais pas assez foutu, donc on va faire ça. Un choix original. Les mignons petits grisous. Dans le bon sens du terme, évidemment. On connaît ça. On connaît ces Jurassic Park. Oh, qu'est-ce qu'elle hurle? Il hurle en allemand. Or, qui sait pas parler allemand? Ok. Surtout. Rue Surfmoine.
Il chante, c'est normal. Écoute, la notion de normalité... Permets-moi d'en douter une petite seconde, quoi. C'est lesquels qui coûtent le plus cher? Les bleus, elles coûtent plus cher, je crois. La trois couleurs. Et si là, je mets une autre bleue? C'est moins cher. Et si je mets deux rouges? Ah ouais, non, ça chie de rouge. Bon bah, une rouge et une bleue, c'est la meilleure idée. Là, il m'en manque une, mais tant pis. Franchement, là, faut... faut que j'ai de la thune, là. C'est bon, j'en ai marre. On vend deux des saphirs. Merci. Les clés, je pourrais les vendre. Hein. Mais j'ai peur de le regretter. Alors, je vais pas le faire. Même si je suis sûre qu'il y aura vraiment aucun regret à avoir. Hein. Besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'achèterait pas Lance-roquette? Si j'ai ce qu'il faut. Non, je vais attendre peut-être la fin. Genre pour le dernier boss. Ouais. Ouais, on va modifier, on va améliorer toujours. Hein. Toujours. Hein. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Ouais, ça je vais l'améliorer. Mais j'améliorerais bien le snipe aussi. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi pourrait tout de suite remarquer la différence. Et voilà, comme tu l'as demandé. Tes armes, ça t'épate. Elle va pas te faire tuer, hein. J'améliore un peu, mais en fait, n'ayant pas de balles, je peux tellement pas me projeter sur une arme ok, super stylax, mais qui aura des munitions qui me coûteront la peau des... couilles. Parce que, bah ouais, c'est trop compliqué, en fait, de se trouver des balles et d'en fabriquer. J'ai vraiment pas assez. Alors après, je peux acheter des trucs chez lui, mais j'ai pas de poudre à canon. Je crois que j'en ai acheté, attendez. Je vais peut-être m'acheter... quand même. Est-ce que là je peux me crafter des trucs? Est-ce que j'ai acheté ça? Je peux me crafter des balles là. C'est quoi qu'il me faudra en prio? C'est le bon? Ouais, c'est le bon. Une autre fois peut-être. Ah oui, c'est mon nouveau peupon ça. Hop. Je fais quoi en prio? Je vais faire des cartouches de peupon. Ça me sauve trop souvent la vie. Et je vais acheter ça. Une. Juste une. Oui, je fais des réserves. Hop là. J'ai plus de... Ah ouais, j'ai plus de sous de grenades et tout non plus. Ça va être compliqué. Hein. Bah, ça va être compliqué. J'ai plus de vie. Bon, je viens de sauvegarder, donc je vais pas me heal. Je vais voir un petit peu où en est la suite. On va analyser la situation. Ah, le snipe, ça pourrait être pas mal, là. Super. C'est quoi, ça? Bonne question, j'ai dit pareil que toi, mec. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit des potes. Ah si, c'est des potes! Oui! Les renforts! Ils sont là! Vous entendez ces sons du jeu? N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé. Ouais, merci!
j'avais plus rien, j'étais tellement désespérée. Tu me veux pas, je loot un peu, hein. On va se heal. Je peux me faire un soin. Je vais m'en faire un. Je vais garder mon spray pour plus tard. Le son du jeu est un peu passé parce que je me disais... Je l'avais baissé pour... Pour je sais plus quoi. Et quand je parle, ça le baisse un peu en plus. Mince, je devais me soigner, je l'ai pas fait. Dis donc, l'Ox. Tu tout. Ah, l'hélico, il fait plus les trucs d'hélico. Merde. Je monte. Ouais. Ouais, je confirme de fou. Ah. Je vais pas gaspiller mes balles. Oh mais je me fais démonte. Hélicoptère, hélicoptère. On me fait que la moitié du top, le cool. Ouais ouais non mais là j'étais pas. J'étais un peu effrayé. J'étais un peu effrayé. Cette déchet, alors là, je prends des décisions. Ahí está! Ahí está! A cubierto! Trop stylé n'empêche, là, de voir ça. J'aime trop là cette arrivée salvatrice, je trouve ça très héroïque. Bah c'est une zone dégagée hein, t'es tout il est une zone dégagée ici, tu peux tout détruire en vrai. Franchement rien à battre. Du feu. Tiens. Oh soulage. Ah j'ai toujours pas deux comme Sony. Je chope que de la thune. Donnez-moi du soin. Ouh. Trop cool. Laisse profiter de la scène et stylax. Je me cache. Ça c'était c'était badass. Ah peut-être t'es mort. Ah il est pas... Si. J'ai balle de mon arme. Santé à faire un loup sinon je me sentirais seule. Bah oui heureusement que t'es là sinon je me sentirais seule aussi hein. Ah pardon, j'ai paniqué, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous copain. C'est bon j'avance. On dit qu'on avance, on dit que c'est tout fouillé. Ok, moi je vous suis. Hein. Enfin, je vous suis. Bah, nul, du coup, non, j'avance et puis c'est vous qui me suivez. Ouais, c'est ça. On fait comme ça. Moi. Oui, d'accord, j'accepte. Oh, ouais, merci. Je vais l'épouser, lui, je pense. Là, je pense possible, ça. Ah
T'as dit t'as qu'à faire un break là, je fais un break là. C'est trop cool. Ah, c'est les petits moments très très jouissifs. Dommage qu'on soit pas dans le truc. Oh merci. Merci. Oh là là, le petit moment qui est fait pour que tu puisses te régénérer un peu, tout récupérer et tout. Oh, c'est trop Salvatore. Ouais, Christian. Ouais, elle qui chante en allemand derrière là. Et tes jeux de mots, bon, les jeux de mots sont quand même, quoi, voilà, plus sympathiques quoi. Ok, ok, ça marche. On va faire ce qu'il dit. Ouais, je m'occupe de la tourelle, pas de soucis. Je fais tout pour toi, bro. Tout pour l'hélico. La porte est quoi ici? Je pourrais faire. On dit au retrait à la maison. Au retrait à la maison ou pas? C'est la porte est fermée. Les barreaux ils sont tous serrés. La porte est fermée. Du round. Oui, je... Ouais, mais d'accord, j'ai posé la question. Ah, j'ai rien vu. Oh, j'ai hurlé, pardon. Mais c'est quoi qui me tient? Stop, tion. Mais tu te gueule l'araignée. C'est quoi qui me tire d'où dessus? Ah, c'est quoi ça? On me tire de je ne sais où. Arrête, arrête, arrête le jeu de me tirer dessus. Je te gueule, toi. Arrête. Ouah. Je pète un câble. Ouah. Je comprends même pas de d'où on me tire dessus. Trop là. Too much, too much, too much. Non. Non, c'est quoi qui... Tiens, tiens. Mais laissez-moi, mais... Cours, je te supplie, espèce de sac à merde. Je suis dans la sauce. Non, mais il veut pas... S'être insulté en allemand pour être d'accord avec Royal. Ah non, mais là, attendez! J'ai mis le cœur partout, là, je suis venir! Effectivement. Est-ce qu'il faut. Ah non, 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 c'est Vermes, 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 Vermes. Je passe pas en bas. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Il aurait fallu que j'aie le snipe. En fou, je lui tire dessus. Arrête. Non, mais toi, arrête. Ah, je peux pas. Je suis coincé. 2 secondes. 2 secondes. Je peux avoir le temps de faire les choses? Tu peux faire les choses à ma manière? Tu peux ou je peux pas? Allez, allez, faut que tu avances. Voilà, relève-toi, je te prie, mais moins de 45 minutes. Non, c'est foutu. Alors là, c'est foutu, je suis dans un enchaînement d'animations qui ne s'arrêteront jamais. Ah, voilà, là, il recule. Hein. Là, je ne dirige rien. Mais j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée d'aller me protéger là-bas parce qu'en fait, je ne peux pas me défendre. Animation. Mais cours, jette-toi s'il faut, mais fais des trucs au lieu d'à chaque fois de se dire... Oh mon dieu, des gouttes d'eau. Allez, je finis mon animation. Bon d'accord, c'est des balles.
Mais pour un perso de Resident Evil, ça franchement, ça, c'est équilibré. Leon ! C'est quoi ? Je peux passer par là ? Allez, on dit on passe par là, hein ? En fait, faut que j'aille là, en fait. C'est con. Faut que j'aille là. Pour looter. La gueule. Voilà. Plutôt que de se jeter au sol en mode vite, il faut que je me mette à l'abri. Ah, mais là il y a du feu d'un côté et du coup il s'arrête à chaque fois que. Oh putain! Un enchaînement d'animation insupportable! Ah! Stop! Tu m'en peux! Je vais les coumer. Je vais tellement les coumer. Ah bah là la porte elle est ouverte hein. Ah bah là y'a plus de soucis hein. Comment je monte? Comment je fais? Fais mes balles. Dégage. Casse-toi. Je vois pas comment monter en vrai. J'ai fait le tour mais je vois pas. Ah non, c'est cette porte qui était. Oui d'accord, là elle est ouverte. Ok. Non. Du tout. Entre eux, bande de connards. Excusez-moi, c'était haineux. Ah, je gaspille tellement mes coups de toile. Allez, recharge. Il aurait tellement fallu que je prenne le snipe. Je me veux, mais c'est tant pis. Il y a un truc qui me tire dessus là-haut. J'ai raté. Allez. Putain, allez, vite. Je peux en faire ça. Si ? Ouais. Merci, fieux. Rien à battre, j'ai pas de munitions limitées. Bande de connards. Y'a qui est là? Il me fait peur. Oh, je fais éclater mon poteau.
Mais oui, j'ai un peu paniqué à force. Oh merci. C'est beau ce qui se passe, c'est beau. Arrête de gaspiller des balles là. Trop des potes. Non, c'était trop bien. Ah. Non, ah, c'était pas tellement pas le moment de recharger. Et là tout d'un coup hein, quand j'avais la mitraillette ça se cachait hein, là il avait plus son père hein. Je vais me faire un pas ici. Ouais, vraie question. Oh un truc là. T'as pas fait ça. C'est là d'où je viens. Et oh oui, il y a des trucs. Bah oui, carrément qu'il fallait que je vienne ici en fait. J'ai looté le truc. Oui. Il y a aussi un trésor hein. Je rebousse ce chemin, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, on va finir de looter. Oh toi. Ah la musique là elle est intense. Oh mais ça j'avais même pas vu. Mais je me déteste. Je vais mettre des petites cloques. Okay. Et où le trésor? En face. C'est là-haut. Mais oui, je l'avais pris tout à l'heure. Mais non, mais vraiment. Really? En plus, j'aurais pu prendre ma arbalète. Je l'ai pas fait. Oh, j'ai loupé un soin de fou. C'est pas grave. La musique elle me met trop la pression, je veux pas rester plus longtemps. Mais je vais par où en fait? Pas la suite. Je sais plus. Faut que je continue par là et que je passe par le trou. C'est ça, ouais, dans le trou. Oh. Ça va mal se passer. Ça va mal, ça a tellement mal se passer. Ah ok, petite plante. En bas. Je suis coincé. Ah non. Je suis pas cul de saké, je croyais. Je pensais pouvoir le faire, faire un truc avec mon Uvakutal. Mais j'ai mal pensé. Un jour, je reprendrai la possession de mon perso. Suivant.
Bon, sois pas trop pressé quand même. Te la pète pas, te la pète pas. Émission de fusil. Ok. Non. Fusil. C'est ça que j'ai équipé, je sais juste le gueule. Je sais plus ça. Quoi, quoi, quoi. Ah. Non, mais... Cette lunette, elle fout dans la sauce. Le 5, ouais. Voilà, je te mets sur le 5. Ah, la lunette qui m'a foutu dans la sauce. Ok. Il est où l'autre? Il va se passer une dingue là. Il va se passer une dingue là. Je sais pas où je vais aller, mais je vais le loot. Évidemment. Pour me re-soigner. Bonsoir Théo. Bon, ça va, j'ai raté quoi? Bon, ça dépend. Basiquement, t'as raté Resident Evil et là on va faire la fin bientôt. Mais, ça peut ne pas être un raté si on s'en fiche du jeu. Donc c'est pour ça, c'était pas. J'espère que tu vas bien. Faut que j'ouvre les poètes. La musique elle est beaucoup trop épique. J'entends des grognements de fou. OMG, il était à côté de moi, il est sorti d'où? Il est sorti d'où? De où qu'il est sorti donc? Il est sorti d'où? Ah, oh, ça va être dur. Ah, je réapparais là? Bon, c'est trop bien. Je suis trop contente. En cerclasse là, là, c'est comme du gore. T'as entendu toi? Merde! Non! Mais... Stop en fait! Dégage! Mais tu te crames toi-même! Là, tu vas rester en bas. Hein. J'essaye de jouer. Est-ce que je peux interagir, s'il vous plaît? Avec mon clic droit. Merci, c'est fort. C'est vraiment génial de me laisser jouer dans mon jeu vidéo. Allez, les animations de une heure, on arrête maintenant, Léon, hein? Genre, juste, on bouge un peu. Ah, la ferme. Plus de balles, plus de vie. C'est... l'histoire de ma vie, justement. Bah ça, hein. C'est qui me tire dessus? Je peux pas avancer? T'aurais pas pour été d'arrêter de me faire chier, toi, par hasard.
On va loot, évidemment. On va faire un tour. Hein. Vache! C'est des monstres qui contrôlent des armes humaines. C'est des humains transformés, infectés en fait, plus. C'est les antivols du coup, c'est des zombies, basiquement. Hein, c'est la définition classique qu'on a dans la pop culture du zombie, c'est eux. Sauf que dans les Resident Evil, il y en a plein de strates de zombies, de sortes de zombies. Et en gros, ils sont infectés, donc ils sont zombifiés, mais ils peuvent encore se servir de leurs mains. Et tout, quoi. Ouais, c'est ça, ils sont concentrés par un parasite de corps. Fire! Il est de retour, le petit Fire! Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable! N'hésite pas à faire un petit dédicace au poteau Fire Grizzlion. Oh, pas l'ambiance, déjà, ils sont morts et transformés en zombies, puis contrôlés par des parasites durs. Bah, morts en fait. Basiquement, ils ont pas besoin de mourir pour se transformer en zombies, ils sont juste transformés en zombies, quoi. Mais effectivement, une fois transformés en zombies, sont moins vivants, quoi. Ils sont moins humains, ça c'est sûr. J'ai looté tout. Tu connais pas la licence des Resident Evil, Théo? Bon, après, c'est vrai que c'est une licence pas toute jeune, loin de là même. Et du coup, quand on n'a pas grandi avec, c'est vrai que ça nous a un peu passé à côté. Mais les remakes sont cool en tout cas. Le gameplay est forcément peut-être maintenant un petit peu trop mou. Mais bon, ça dépend des types de jeux qu'on aime en fait. Le jeu n'est pas mou, c'est juste le gameplay qui est lourd. Voilà, pas mou, mais lourd. Notre personnage est très lourd. Je parle pas de ses punchlines. Petite sulfateuse. Bah, je savais, bah oui, normal, on a vécu ça quelques fois. Allez, clic droit, hop là. Je vais m'éloigner un petit peu, j'ai l'impression que c'est une bonne soluce de m'éloigner là tout de suite. On va monter à l'échelle. Oh, il y a le parasite, il me suffit. Il peut pas monter à l'échelle, je crois. Et voilà, le truc qui me suit là, que tu viens de voir, qui ressemble à une araignée, c'est le parasite en question qui essaye de contrôler. Oh, t'es trop... Descends, je t'en supplie, descends. C'est mort. J'ai jamais joué à Resident Evil, moi non plus. Non, c'est pas le fait d'y jouer, parce que comme je dis, oui, c'est pas un jeu récent. C'est pas des jeux... Enfin, quoi que maintenant, il y en a qui sont récents. Je vais me mettre là pour le moment, ça me saoule. C'est plutôt connaître, connaître le principe, connaître un peu l'univers, puisque ça fait partie des références de jeux de zombies, quoi. Je me fais que la taxe. Mais y jouer, bah c'est pas tout le monde de toute façon qui aime ce style de jeu, donc ça m'étonne pas plus que ça. Allez, on arrête d'être lent. On arrête genre tout de suite. Petit déclenche. Ah merde, j'avais pas vu lui. C'est compliqué. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Cette scène est chiante! Et j'ai pas mon snipe, j'aurais bien aimé l'avoir. Je connais que des noms et le fait qu'il y a des zombies. Bah, je dis ça parce que Théo il savait même pas que c'était des zombies. C'est pour ça que ça m'a étonné. Ta gueule. Oh putain, j'en ai marre. En fait, je sais pas par où passer pour ne pas me faire gangbanger en moins de 3 secondes. Je ne sais pas. Ah, je peux pas. Hop là, vite, hop là. Je suis obligé de courir en permanence pour pas crever. Voilà, je me fous là. Regardez comme ils sont beaux.
qu'en bas je suis beaucoup trop vulnérable. Là je vais laisser cramer seul tout. Ça me semble être une bonne idée. Ils font nawak. Et ils sont trop tus. Ça me va parfaitement. Non, non, pas le paralyte. Ok. Est-ce que je peux me soigner? Oui. Faire des balles de snipe. Des snipes de peupon. Bon, au moins il est transformé. Ah mais lui, il risque de me tirer dessus quand même. Non, ça devrait le faire. Un truc qui a gueulé là. Ah, c'est lui. Je vais faire la... à la salle, là. Non, je vais pas faire... Je vais pas exploser ça maintenant, ça va me servir tout à l'heure, je pense. Quand il y aura beaucoup plus de mobs. Barazit, ils viennent d'où? Ah, ça c'est le lore du jeu, après, c'est assez... assez bordélique. Selon les jeux, moi j'ai jamais trop suivi parce que l'histoire du jeu, elle... Ah, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, mais je crois que c'est dans... dans RE7 qu'on en connaît l'origine, je crois, vraiment, non? Il y a des scorpions, les parasites. Ouais, ils sont sympas, ouais. Ils sont stylés en vrai. Et en plus, bah, ils sont petits, ils sautent partout, du coup ils sont chiants à viser, donc au niveau gameplay, bon bah ça en fait un ennemi assez intéressant, bien qu'il soit vulnérable. Et en fait, c'est le parasite, quand il prend possession d'un zombie, et bah tout d'un coup, ce zombie est plus vénère, et il est beaucoup plus chiant à tuer. En tout cas, il a plus de vie. Donc faut absolument tuer le parasite déjà avant qu'il nous saute dessus si possible, mais aussi avant qu'il saute sur un zombie pour le posséder. Chasse malheur, ça marche. Ok. Ah attendez, il y a un truc là-bas. Oh je suis désolée, je vais être encore obligée de faire le tour, mais j'ai vu une caisse. Alors ça me saoule parce que je fais le tour là, j'en profite d'un moment d'accalmie parce que tant que je fais pas... tant que j'essaye pas d'ouvrir une porte, et ben c'est calme. Mais du coup, à chaque fois, bon bah quand ça revient, je me fais tuer et à chaque fois, je fais ce moment où je cherche des balles partout. Et bah en fait, il est inutile parce que à chaque fois, je meurs tout de suite après. Mais bon, si je le fais pas, je mourrai encore plus sûrement. Alors je le fais. J'avais perfectionné mon anglais, lol. Ça marche, c'est bien. Putain, quel mec sérieux. Ok. Je sais pas d'où il vient, mais en tout cas, je vais faire ça maintenant. Ok. Ce serait bien que j'ai... Je sais pas s'il était là, je l'espère. Pas vraiment. Oh, il est quand même puissant ce snipe, putain. Oh! Mais je pouvais rien faire? Oh les bâtards, comment ils visent trop bien! Je me casse. Je vais me foutre ici. Je vais me soigner si j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Bon, ils vont s'entretuer à force. Je pense que je pourrais passer à un autre mob. C'est qui m'emmerde là? Ouais, ils se sont entretués. Ah, j'entends encore une respiration. Mais en fait, ils viennent de là. Ok.
Merci qu'il n'y en ait pas à côté de moi. Non, pas le parasite. C'est lui en fait qui faisait chier. Ok. Je vais passer à côté. Je vais looter tout ce que je peux comme d'hab. Et on va faire la deuxième porte. J'espère qu'il y aura une sauvegarde auto. Faut savoir que dans Resident Evil, alors je sais pas en mode normal, mais en tout cas en mode hardcore, je sais que c'est comme ça, mais comme que dans le 4 c'est comme ça, peu importe le mode, les sauvegardes on les fait pas quand on veut. On les fait quand on a un point de sauvegarde, ce qui est en fait symbolisé par une machine à écrire. Donc on peut sauvegarder aux machines à écrire, mais sinon on peut pas. Et il y a des save auto, heureusement. Ce qui fait que, bah voilà, s'il n'y a pas de checkpoint et pas de machine à écrire, bon bah tu... C'est bon pour refaire tout. Et c'est ce qui se passe avec cette phase. Allez. Oh, je peux pas. Faire tout ce que je peux, ça va arriver à ma droite de toute façon. Pas que ça, c'est pas possible ça. Allez, il va se relever. C'est fini? Vraiment? J'y crois zéro, il va se passer une dingue. Mais avant, je vais looter ce que j'ai tué là-haut. Pas là. C'est pas pour l'eau, je suis déjà passé, je le sais. Ah, il y avait un loot là. Bah oui. Il y a pas cette face. Ah, c'est que de la thune. De loin, je pensais qu'il y avait aussi des balles. Je pensais mal. Bon. On se casse. Ah, les petites save auto là? On dit que j'ai une save auto. Elle y était peut-être déjà avant, je sais pas. On dit que je peux sauvegarder. Bon, je vais baisser un peu le son de la musique. Oh putain, il y a le poteau qui est là! Bon, je remets un peu plus fort là. Y'a les poteaux! Allez, monte! Merci! Oh, il va se passer une dingue. Je vais pousser cet hélicoptère. Non mais... Mais vous allez vous faire buter à rentrer tout seul en plus. Fais quelque chose Léon. Oui, bah là déjà il y a des insectes bien trop chiants là à tuer. Non, allez. Je vais rêver. Non, prends ça s'il te plaît. Ça suffit. Ça finit. C'est fini maintenant. Zut. Ok. Oh, c'était compliqué. Mais bon, on savait qu'il y aurait une dingue, on va pas... Là. C'était évident. Comme si on allait pouvoir être sauvé comme ça. Le pompe qui sauve la vie. Ouais, c'est pour ça que le pompe, je l'ai toujours depuis le début. J'ai toujours des quelques balles de côté. Parce que c'est complètement mon arme salvatrice. Oh, mais que vois-je là? Attendez, on a vu, hein? On a tous vu, là, le petit truc, là. Attendez. Hop. C'est le 8.
j'ai toujours très mal avec ça, mais bon. Dac. Bon, ce sera dans cette zone alors. Soit je vais par là, soit je vais par là, mais c'est là d'où je viens en fait. On va aller par là alors. Regardez s'il n'y a pas des petits trucs bleus qui pendouillent. Ce sera pour une quête. Là je voulais voir. Si c'est ça. Ah d'accord. Là si je vais par là, ça m'amène où? Ok. Je vais d'abord aller par là alors. Ah, je peux la récupérer ou pas? Comme d'hab, je pourrais pas. Bien sûr que non, je peux pas. Je peux pas récupérer mon carreau. Il me laisse sur le carreau. Elle est là-bas la quête. Les médaillons bleus, tout à fait. On a même pas un vendeur ici. Quoi? C'est quoi ça? C'est des sacs. Il soufflait vite le gamin. Pas de vendeur. Ok, je vais pas avancer tout de suite. Ouais, c'est un remake de Resident Evil 4. Du coup, bah le jeu lui est récent, mais l'original ne l'est pas. Alors, des trucs qui pendouillent. Ouais, je descende. Mais j'ai peur de me tromper de chemin en fait, là, je sais pas. Non, bah, ça doit être par là. Mais il faut que je trouve un moyen d'aller là, en fait. Pour faire les autres, on va voir. Peut-être me régène, hein. Je crois bien qu'on va faire ça. Je crois que j'en ai plus. Oui, je sais. Ah ! OMG ! OMG ! Je pensais pas. J'avais oublié ça. Dans la tête. Allez le peupon! Dans la tête! Il est mort ou pas? Mais stop là! C'est beau là! Les coups après la mort là! Au bout d'un moment! Boudababing! Merde! Dégage! T'es vivant toi aussi? Oh là là, le truc pour bien t'achever là! Zombie la pute. Ouais, ça c'est une créature qui a été créée en mode... Oui, on a créé une créature quasiment invulnérable. Et oui, en fait il se régène si tu le tues pas dans ses points vitaux. Du coup, bah pour voir ses points vitaux, faut faire ça avec la lunette spéciale là. Lunette spéciale, voilà, qu'on peut pas mettre sur toutes les armes. Hein. Enfin, c'est splendide, oui, il me faut un vendeur au bout d'un moment. Je t'entends toi. Je t'attends. You. T'es là. Au moins j'ai pu récupérer ce carreau là. Lunette thermique. C'est ceci. C'est exactement ceci. Mes réparations se... Attendez, on va mettre un petit effet de je sais pas, de ça là, genre... De ça là. Oula, j'ai cligné un petit peu.
confinement, quelques travaux mineurs ont suivi, ont suffi à renforcer l'étanchéité. Et à moins d'un problème lors du test du système de refroidissement, nous prévoyons de faire venir ici tous les spécimens restants du bâtiment 1. Pardon, désolé, je gueule un peu, je vais éviter. Tous les spécimens ont été transférés, cependant nous avons rencontré légers soucis lors du transfert. L'un d'eux s'est montré violent. Heureusement, il a fait moins de victimes que prévu. Faites preuve d'une extrême prudence avec ce spécimen. Les derniers rapports indiquent qu'il commence à acquérir une tolérance aux basses températures. De quoi que ça parle ? C'est quel mob qui aime pas le froid ? La voix dans l'avion, ouais. Une voix d'annonce, tu vois. C'était... Ah non ! Mais oui, si, c'est le mob qui ressemble à un alien. Enfin, à alien. Oh non, mais hey, j'y vais pas maintenant, je crois. Je crois que j'y vais pas maintenant. Non, mais là, attendez, ça pue le merdier. Non, j'y vais pas maintenant. J'ai d'autres trucs à faire, excusez-moi. Non. J'y vais pas maintenant. Un petit tour là, j'ai pas fini ma quête. Si je vais maintenant, je vais pas la finir. Si je vais par là, il se passe quoi? C'est d'où je viens? Ah ouais, c'est d'où je viens. Tout bien. Mais depuis ici, c'est là que je voyais... Peut-être que j'ai des trucs à faire, attendez. C'est pas là où il y avait les trucs bleus? Ah non, je recule, les trucs bleus c'est par là. Ok, j'ai dit des sottises, désolé. Bon. Il va falloir que je trouve un moyen de choper les deux... les petits trucs bleus qui nous restent là. 8. Et comment je descends ici? Et un coffre en plus! Non mais je veux trop y aller! Ah, je vois. C'est quand tu streams pendant la semaine tous les jours? Franchement, en ce moment, c'est tous les jours. Et c'est à partir quand je suis en retard de 21h30 le soir. Et sinon, la journée, je fais aussi des petits streams quand j'ai le temps. Là, c'est cet après-midi, j'en ai fait un parce que je pouvais. Je vais peut-être pouvoir en faire un demain après-midi aussi. Voilà, ça me chauffe bien. En ce moment, du Genshin souvent. Enfin, parce que je viens juste de m'y mettre, en fait. C'est surtout ça. Je vais pas dire souvent parce que j'ai à peine de commencer Genshin. Mais j'aime bien. Et sinon, c'est en soirée. Il y a le petit programme Twitch pour ceux que ça intéresse. En dessous, j'essaye de mettre à peu près à jour. Après, il y a des jours où je sais pas ce que je vais stream et du coup, je mets stream libre. Mais sinon, voilà, vous voyez à peu près mes horaires et à peu près ce que je vais faire dans la semaine. Plus ou moins. Une vache près. Ah, mais du coup, ok, si j'avance, je vais pouvoir descendre alors. Ouais, puisque là, il n'y a rien. Bon, d'accord, je comprends, il faut que j'ouvre cette porte. Ok, on y va. Genshin, c'est pas souvent, c'est soutane. Souvent soutane. Ah oui, d'accord, putain, excuse-moi, j'étais là. Oui, aussi. Trop hâte de la voir à la TwitchCon. Trop hâte de voir Dilo aussi à la TwitchCon, ça va être trop cool. Dégoûtée, parce que là, il y a un mob qui va m'éclater la gueule. Alors j'ai plus de balles, mais est-ce que je peux en faire? Et si c'est non? Non la merde, mais je peux. Je
Mais non, mais je l'ai eu la tête trois fois au moins là, merde! Oh please! Oh non, mais les balles, ça va être vraiment très compliqué. Ok, ce que je peux faire, c'est regarder avec ça. Ah, je les vois. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Là il y a des trucs qui puent. Mais c'est tout. Oh, serpent. Ok. Ok. Une grenade. Ah, c'est pas con la grenade. C'est pas con la gre-gre. En vrai. Attendez, c'était qui? C'était où? C'est celui-là. Ok, si on envoie une gre-gre là-bas, ça peut être pas mal. Est-ce que ça marche? Sinon, je suis dans la sauce. Pas marché, je crois. Je crois qu'il a bien. Au juste le bidon. J'ai vu que c'était. Oh, je vois rien! Ah, le sac de ces morts là! Ok, je suis très mal barre. Hein. Très compliqué, très compliqué, très compliqué. Ok, au niveau de l'épaule. J'ai essayé de viser l'épaule, mais je promets pas. Super, bon voilà pourquoi je promets pas. Et j'ai pas de quoi me soigner non plus, sinon je mange. Allez, let's go. Il va se reformer. Non mais je peux pas. Je peux pas en fait. Je peux pas, j'aurai jamais assez de balles. Faut vraiment que je change d'arme. Mais il me faut une... machine à écrire. Le pire c'est qu'il te fait pas des dégâts quand il est en vie, mais quand il meurt. Bah quand il est en vie, il fait aussi très mal. Rapport de plantage, what? Oh, j'ai un rapport de plantage. Oh! Rapport de plantage en cours de création. Oh merde! Oh bah d'accord. Oh bah d'accord, je vais planter. Mais ouais, si, quand il attaque, il fait très mal quand même ce mob. C'est pour ça que j'essaie de le tuer vite aussi. Mais qu'est-ce que ça me bouffe comme balle? C'est quoi la dernière fois que j'ai sauvegardé? Oh, les sauvegardes de toi, elles seront prises en compte au moins? Parce que là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas une sauvegarde à faire moi-même. Hein. Actualisation des informations système, rapport d'erreur Windows. Eh franchement, si ça met 15 jours, j'annule. Hein. Oh, ça met 15 jours, ça met 15 jours, ça met toujours 15 jours, ces trucs-là. Dégage. Annulé. Je relance le jeu tout de suite. Désolé. Qui est impondérable. C'est le pire mode du jeu, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que... Et du coup, le truc de plantage qui veut pas s'arrêter, donc ça n'arrête pas le jeu. Confirmer l'arrêt du jeu, ouais. Ok. Il est en train de s'arrêter. On va le relancer tout de suite. Mais j'ai eu un plantage assez soudain quand même. J'ai pas le tab et tout. J'ai pas fait de manip potentiellement compliquée. Je sais pas. Il a mis du temps à se lancer le jeu aussi. Et là, il remet du temps à se lancer. J'ai même pensé qu'il allait pas se lancer tout à l'heure. Donc, Yuni! Comment qu'elle va celle-ci? Coucou, petite Yuni! Une petite dédicace à Yuni Grision si tu veux bien. Que j'ai découvert sur Resident Evil, mais qui fait pas que ça, qui fait plein de jeux, dont un jeu de date avec des personnages de Dead by Daylight, enfin, voilà quoi. On est sur...
On est sur un univers... un univers des plus adorables. Ça va et toi? Mais ça va, mais mon jeu a planté. Là, il vient de crash, mais vraiment... je venais de mourir et paf, crash tout de suite. Et il met du temps à se lancer. Donc j'ai peur d'avoir des merdes avec mon jeu, j'espère que ça va aller. Ah, j'ai eu Léo InShape, il avait écrit comme truc, comme succès. Il va falloir qu'on voit ce que c'est pour en témoigner à ma modératrice. Fan de Léon. Léon InShape. C'est pas une apparence, évidemment. C'était peut-être ça? Non. Ah non, ça doit être un concept art. Ça, on en a des concepts art, hein. Y a pas de souci. On a quasi rien d'autre, mais ça, on a. Est-ce que c'est le moment où tu retrouves Ashley? Non. Pas encore. Non, j'étais dans... Bah, tu vas voir. En fait, en vrai, je vais pas commencer à expliquer. Ce sera plus simple de te montrer. Parce que je relance tout de suite, je suis au chapitre 15. Allô? Pourquoi ça l'affiche pas? Affiche le jeu, s'il te plaît. Voilà. C'est compliqué, déjà. Voilà. On est après la phase de l'hélicoptère. C'est quoi ça? Merde! J'avais oublié. J'avais oublié. Si vous entendez des hurlements comme d'hab, c'est royal. Non. C'est mon copain! Je range n'importe comment en fait, hein, en vrai. Hein. En vrai, là, je me donne du mal pour rien du tout. Là. Faut que je change d'arme, faut que je mette mon snipe, je gaspille beaucoup moins de balles. Ça marche là? Bah non. Non, faut que j'attende qu'il soit sorti. Allez, sors là! Commence pas! Je vois rien, tu vois rien si... Ah! Mais stop la baleine là! Ou l'otari plutôt. C'est super. Allez. C'est bon là, j'ai eu sa tête non? Oh, j'ai pas eu sa tête là? Tu vas me dire que là, là? Là j'ai pas sa putain de gueule! Pardon. C'est pire cela. JPP. Ça replante. Je suis vexée. T'as eu des petits plantages toi aussi, Yoni? Bon, je me heal, évidemment. Parce que c'est pas mal. Je vais être obligée de faire des munitions comme ça. Tant pis. Tac. Ça va être chaud. Oui, tu fais bien. Oh, mais attends. Attendez. Est-ce que je peux pas mettre ma lunette sur ma petite péteuse élément? Lunette biocapteur aussi. Oh, c'est mieux. C'est mieux parce que j'ai vachement plus de balles. Oh ouais, ça sera mieux. Enfin, je pense. Après, cette arme fait mon mal. Hein. Oui, bon, vas-y, sors là. Ah mais ça fait moins mal hein. Il faut plus de balles hein. JPP. Ah oui c'était le moment de recharger. Nice. Et de se coincer. Trop bien. Quand tu veux Léon. Tu te relèves vraiment au rythme que tu veux. Ne sois pas trop pressé surtout. C'est pas ta vie qui est en jeu. J'ai eu de la chance. Ouais, bah... Non, mais c'est vrai que là, depuis... j'avais jamais eu aucun souci hein, sur le jeu. Mais c'est vrai que... En voyant le temps qu'il a mis à se lancer, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un sous. Non, mais... Eh, oh, hein. J'arrive pas à faire ce que je veux. Élément, ça, hop. Ensuite, on fait ça. Parce que c'est chiant d'être obligé de recommencer de ça à chaque fois, mais on n'a pas le choix. Ça va être chaud.
Oui, ça va être chaud. JPP Léon. Merde, c'est pas le bon. C'est quoi ça? Recharge plus vite, s'il te plaît. Sinon, t'es mort. Ok, là, je m'éloigne bien. Oh! Non, mais je lui fais rien, sa tête. Non, mais j'arrive pas à viser sa tête, c'est insupportable. Enfin, je vise sa tête, mais ça ne... Je vois le cœur. Ah, il était mort en fait. Et voilà, j'ai plus de vie. J'ai envie d'y aller. Finalement, l'autre arme, c'était mieux. Parce qu'au moins, ça faisait mal. Oh, il est tellement mourant, Léon, il faut que je recommence en vrai. En vrai, je vais recommencer. Je vais me laisser tuer, je crois. Mais ouais, non, mais des os, mais j'ai pas géré là, j'ai mal géré. Non, non, je me suis trompée. J'ai vraiment rien pour le heal, hein. Rien du tout. Hein. Alors j'avais une... J'avais un serpent, là je l'ai même plus. Jolie cabriole. Ah j'ai une autre plante. Bon, on va peut-être pouvoir alors. C'est pas le meilleur des soins, hein. C'est même le plus pourri, mais bon. Bah, c'est mieux que pas de soins du tout quand même, je pense. Je crois que j'en ai plus. T'as plus de quoi, Léon? Dis-nous dessous. Non. J'avais. Ça va me toucher d'ici? Oui, ça me touche, mais je vais chialer. Je vais juste pleurer. Voilà. Tu auras tout gagné, le jeu. Merde. Ouais, bah les grenades, ça me semble être la solution. Mais avant... Ah, il faudrait que je prenne cette grenade là, la 6, elle est mieux. Avant, faut absolument que j'interagisse avec le sac pour les réveiller. C'est ça le truc. C'est tout ça l'astuce, quoi. Toute l'astuce. Non, tout bâtard. Ah, oh, le serpent! T'as entendu? Il est où? Mais t'arrêtes, toi? Méchant serpent. Bon, c'est quoi? C'est... Faut que je fasse quoi? Vite.
trop long. Elle m'a tellement buté. Toujours pas morte. Non mais je vois pas comment. Hein. Là je n'ai pas les balles. Et où? J'ai pas les balles. Je peux pas faire ce passage là. J'ai pas les munitions. Oh, c'est fatigant. C'est fatigant. Réfléchis. Oh, dommage. Si j'avais le snipe, ce serait mieux. Parce que j'aurais besoin qu'une balle en fait. Que d'une balle. Je fais ça. De toute façon, si je meurs, bon bah j'en commence et je fais autre chose. Je crois que j'en ai plus. J'avais pas rechargé avant. Si j'avais rechargé. Oh mais please. Allez. S'il te plaît, Léon. Non mais je peux pas hein. Ah si c'est bon. Non, toujours pas. Toujours pas bon. Allez, relève-toi. 15 balles de peupon, ça c'est bon là? Et il me donne même pas de munitions. Deux gouttes. Faut que je trouve un vendeur. Faut vraiment que je trouve un vendeur. Allez, on va essayer de faire ça bien, la recharge. Elle confond ces deux armes. J'ai ça aussi. Ça y est, tu es parfait. Tu as un anglais parfait. Tu parfumes ton anglais. Gage. Lequel c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Merde. Vraiment? Non mais c'est impossible, je ne peux pas. Hein. Il se relève encore. Et ça m'a touché.
Théoriquement, oui. Après, venant de moi, ça l'est moins. Mais je suis sûre que c'est fantastique. C'est quoi ce bruit? Il y a un bug, en fait. Ah, super, ils font tous du... Ah, c'est très chiant. Oh, c'est très chiant. Très, très chiant. C'est là. J'aime bien l'inventaire. Ah ouais? T'aimes bien que ce soit limité? Encore, il est grand là. Hein. Au tout début, on a beaucoup moins. Hein. J'ai dû améliorer. Ça m'a coûté bien de la thune. En vrai, je peux ranger automatiquement. Ça veut dire que. Ouais, c'était 6. Donc d'abord. Ok. Pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. Maintenant, faut que je vise la tête. Ok, j'ai visé la tête, hein, mais jamais la bonne, le bon endroit, j'ai l'impression. Vite, où je me casse. Ok. De quoi me heal, c'est bien. Je pense que je vais faire tout de suite. Les sacs qui bougent dans tous les sens. J'ai juste envie de péter un câble. C'est mieux que les inventaires infinis qu'on a maintenant, quoi. Bah, ça dépend de ton point de vue. Hein. Les inventaires limités, moi qui fais plein de jeux de survie, j'en vois tout le temps. Hello, Cortan. Hello, hello. Et en vrai, être limité par l'inventaire, je trouve que c'est une difficulté qui n'est pas intéressante, personnellement. GG, merci Yoni. Ça va, petit Cortan? Et moi qui ai un vendeur. Oui, alléluia. Salut copain. Oh, petit stand de tir là. Rien que de la qualité. Faut que ce soit bien équilibré en fait. En fait, tout va dépendre de ton jeu quoi. Encore une fois, hein, ça dépendra toujours du jeu. Hein. Dans les Resident Evil, c'est toujours comme ça. On a toujours un inventaire comme ça. Après, bah ça va dépendre, voilà, un jeu de survie en général t'auras un inventaire limité, un RPG t'auras généralement une gestion plutôt du poids de ce que tu portes, donc c'est pas les emplacements, c'est le poids. Là où par exemple dans un jeu de survie ce sera tout l'inverse, ce sera pas le poids, tu pourras souvent porter des trucs très lourds, mais t'auras un nombre d'emplacements limité. Enfin, voilà, ça dépend. Et tu joues à Genshin, c'est pour ça. Reste honnête, aujourd'hui c'était la cérémonie. Ah oui. Effectivement. Comment tu te sens? Est-ce que ça va un peu? Certaines des cibles sont... ma foi. Non, je me suis trompée, je voulais passer. Hein? Allez. Je voulais pas du tout faire ça. Hein. Enfin, je voulais faire ce truc, mais je voulais pas faire celui-là. Je me suis trompée. Du coup, je le fais à l'arrache, mais voilà. Ça va, je tiens le coup. Bon courage. J'envoie plein de love.
Et j'espère que tu vas trouver des petites choses à... Des petites choses pour aller mieux. Malheureusement, rien que... Voilà, je peux pas dire grand chose qui soit pas très bateau ou... Bon, on s'en fout de façon, ça. À part que je t'envoie plein de bisous. Trop belle la salle. Et oui, alors là, on est dans un petit coin mini-jeu. Faut savoir que dans tous les Resident Evil, il y a un vendeur. Resident Evil, il y a un vendeur. Et alors, il me semble qu'il n'y avait pas ça dans l'original. Ou s'il y avait, j'ai oublié. C'est trop possible que j'ai oublié. Là, il y a un centre de tir. Et on peut gagner des trucs nous permettant d'avoir des petits bonus dans le jeu. Ah, mais j'ai pas de nouvelles épreuves. Bon, on va peut-être essayer de faire un S là où on a un A, mais bon. Donc voilà, faut que je tue les pirates sans tuer les marins. Merci Tatalox, gros bisous à toi. Ouais, j'arrive pas à faire plus. Je sais pas pourquoi. Il y avait un vendeur dans l'original, il n'a pas l'air d'avoir changé. Ah si si, il y avait un vendeur dans l'original et il l'a un peu changé. Esthétiquement et tout, il a un petit peu changé. Mais bon. Si tu comptes trop sur la même arme, tu vas vite te retrouver à court de munitions, l'ami. Mais je suis à court de munitions tout le temps, peu importe l'arme que je prends. Merde. Je vais pas réussir à faire mieux, je pense. Je vais tester le lance-carreau, parce que le lance-carreau, je suis à chier. Merde. Mais sérieux? Oh, lance-carreau, c'est pathétique, hein. Je suis vraiment à chier. Zoom zoom! Hello! J'ai raté. Ah, désolé, le lance-carreau, c'est pathétique, hein. J'arrive pas à comprendre le décalage, en fait. Obligé vraiment d'anticiper et c'est très très dur de... Vu que je vois pas du tout mon carreau, je comprends pas. Eh bien, je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Allez, je t'en suis là, mais malheureusement... Oh, j'espérais qu'il y ait des nouveaux défis quand même. Je relance requête, ça aurait été trop cool. Mince, j'ai raté. C'est pas bon. Oh, magnifique. Toi, t'es un artiste, la vie. Merde. Oh, tant pis. Oh! Ah non, faut que je fasse comme ça. Eh oui, c'est mieux. Ah là aussi. Aussi, je peux faire un ça. Oh, les pauvres petits dogos. Pas terrible. Pas terrible du tout, mais de toute façon, bon, j'avais essayé un petit moment d'avoir le S, j'y arriverai pas dans celui-là. Je n'y arrive pas. Salut, vise plus haut aussi. D'accord. Tu as un ton, mon ami. Tu as du mal à toucher une cible. Pense à te décaler. 3, 2, 1, allez. Remarquable.
J'aurais pu faire en double. Oh merde, j'avais pas vu qu'ils étaient en même temps. Oh, je m'en veux, j'avais pas vu qu'ils étaient en même temps. Allez, ça veut pas se... ça veut pas faire la mise en point. Pourquoi des fois ça la fait pas? Oh là, c'est foutu là. Non mais j'ai foiré, c'est ça hein. Pourquoi la mise au point c'est pas fait? Des fois je comprends pas trop ça. Ça c'est du spectacle. Ah, j'entends une dernière fois celui-là. Et puis on arrête. Oh, dommage. Ah ! Ah oui d'accord, j'arrive plus à rien. Tant pis, c'est ainsi. Ah c'est pas grave hein. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. Mais pas du tout, je suis à chier. Et j'ai plus rien à mettre. J'en ai plus que deux. Je peux pas en mettre deux. Non. Tant pis. Bisous Théo. Très bonne nuit. Ah non. Non c'est Cortane. Pardon, pardon, excuse-moi. J'ai vu bonne nuit Cortane. Je vais dormir. Du coup, bisous. Fire. Et Cortane, du coup. Des bisous à vous. Très bonne nuit. Excusez-moi, j'ai pas suivi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Super. Merci. Est-ce que tu as Reviens. Des balles? Évidemment que non. Donc c'est pas intéressant. Quand tu veux, bienvenue. Une affaire bien conclue. Je vais garder la vipère, hein. Je vais totalement la garder. Réparer. Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Il veut que je prenne son killer, mais c'est un magnum. Et les balles de magnum, c'est l'enfer. C'est tout ce que j'ai. Donc l'acheter, bah, c'est dépenser des sous pour pas grand chose. Alors ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Pareil, un fusil semi-auto, ok, mais les balles de fusil sont beaucoup trop précieuses, je préfère les utiliser dans un snipe. Oh. Je vais modifier déjà. Ça c'est ma mitraillette, je vais modifier la capacité, parce qu'elle est un peu à chier. Et voilà. Le rechargement là. Tu l'as demandé. Oui. Toi aussi. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Je sais. Tu me dis ça un peu à chaque fois en fait. Alors je sais à force. Mais merci. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Oh, hein, oh, ça va, oui. Les goûts sont simples. Je veux des balles. Je n'ai pas. Donc moi, avoir des sous, bah ça m'intéresse, mais rien dans la tombe. Est-ce que ce arrête d'être coquin. Fais bonne route. Étranger. Tu veux regarder moi en arrivant? Je sais même pas. Si, je crois, hein.
À 23h44, oui, ça a dû être en arrivant ça. J'ai pas réussi à faire le truc des trucs bleus là. C'est vrai qu'il a le même bandana. J'ai pas réussi à faire la quête des trucs bleus, j'ai pas atteint ce qu'il fallait, je sais pas. Ah, je vais faire des trucs, ça va pas. Mets-toi là. Toi t'es là. Toi t'es là. Là avec ce que j'ai, je peux faire quoi? Ah mais c'est la poudre qui me manque. Le vendeur veut juste vendre des trucs avec des sens à monde de zombies et de parasites. Oui, les vendeurs sont un petit peu énigmatiques dans les Resident Evil, effectivement. Ils vivent un petit peu en dehors de la réalité qu'on vit nous, quoi. Je re-save. Et puis on voit. J'hésite à prendre le snipe, mais j'ai plus de balles de fusil en fait, moi. C'est fini, je suppose. Donc prendre le snipe, oui. Mais sans balles, non. Oh. Oh. Envie. Ah, mais je vais jamais les avoir en fait. Je pensais qu'à un moment j'arriverais là. Fallait que je descende ici. Attendez. Ouais mais attends. Oui. Mais en vrai, je suis désolée Léon. On va rebrousser le chemin de fou. Oh mais je peux pas. Oh non, je m'en veux tellement. Oh non. Bon. De toute façon, je sais que le 100% sur cette game, c'était déjà foutu depuis un très long moment, donc tant pis. Ah, mais je m'en veux. Ah, je t'avais pas vu. Et qui nous va? Il faudrait le snipe quand même. Hein. Est-ce que je peux me faire des balles? Ah, j'en ai 4. Ouais, je vais prendre le snipe. C'est ça, hein? Oui. Oh, je peux le garder sur moi au pire. Ouais. Oh, biocapteur, ça suffit, hein. Je peux pas prendre 15 lunettes, ça va. Hein. Toi, tu dégages l'odeur du combat, la vie. Je ne pue pas! Ça te fait marrer en plus. Non. Je voulais zoomer. C'est quoi déjà? Halt. Ah, j'ai utilisé toutes mes balles là. Un peu dommage. Un peu dommage. Pas la meilleure strat là. Allez, Esta. Oh, je vais même pas essayer de comprendre. Hein. Je vais monter moi. Ouais, ça me bat. Je vais baisser un peu le son du jeu, je pense. Ah, là là. J'étais pas prête. En vrai, j'étais pas prête. Je sors des courses là.
J'ai pas de vie. Je stream encore combien de temps? Je sais pas, jusqu'à ce que je termine le jeu normalement, sauf si j'en ai trop marre. Oh, je sais pas. Là, j'ai pas. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, faut que je loote un peu, sinon c'est la sauce. Cassez-vous. Ouais, je vais pas le faire pour Rin. Merde. Mais vraiment? En vrai, je pourrais même pas le loot. Non mais... Ta gueule l'insecte. Vraiment. On s'affirme, super. Elle a des grenades et je peux pas les looter. Regardez, c'est terrible, il te monte. Ah non, c'est pas des grenades. Bref, c'est des trucs à looter. Je peux pas les looter. Oh, c'est terrible. Ok, je vais monter. Merde, allez, avance, avance, je t'en supplie. Allez, cours. Vous promets que je suis à fond, hein, niveau course. Hein. Voilà. A cubierto. C'était dans l'interstice, dans la... Mon gilet va pas tenir. Oui, bah, je fais ce que je peux, t'es marrant, hein. Tu m'aides pas beaucoup, hein. Ça va, là. Super. Tout se passe trop parfait. Comme sur des rollers. Allez, allez, clic droit, allez. Merci beaucoup, Léon. Non, t'es pas court, faut juste que tu arrêtes tes animations trop lentes. Oh, m'énerve. Je suis obligée d'utiliser toutes mes balles juste parce que j'ai pas pu profiter de ce truc. Aucun piège, hein. Ah si, quand même. Cherche la merde, moi aussi. Travaille le cardio pour être aussi lent. Bah justement, je ne pense pas. Je pense pas. Elle est où, cela? Ah, c'est beau, la muscu, c'est joli, hein, les gros muscles. Mais au bout d'un moment, faut réussir à faire un petit 100 mètres, hein. Mais je suis chafouine, oui je suis chafouine, je suis désolée. Tchou. Ah oui, je recommence là. D'accord. Pa
cubierto, ahí está. Apagando las luces. Apagando las luces. Ouais, c'est las luces. C'est pas las luces. Mais c'est pas... C'est son bras, ça a pas de rapport. Eh, chiant toi, hein. Non, mais j'ai pas le temps. Hop là. Fini les bêtises. Fini. Ça peut pas exploser son machin? Croyez en vrai. Non, pas l'impression. Il m'a rien looté ce petit bâtard. Cuiste. Cuiste. Ah! Faut que je m'accroupisse! Voilà. Hein? Tout gagné. Ah, j'avais pas besoin. Dans la sauce. Ouh. Ok. On fera un petit tour. Un loot là? Non. On va garder ça pour après peut-être. Là on va faire un petit ça. Oh, j'ai plus de balles du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mission. Des balles. Oui, je t'ai vu insecte, mais sauf que je vais crever. Dégage. Ah. Mais bien sûr. Horrible. Le putain d'insecte qui me bloque à peu près 48 minutes. Envie de vecre. Bon, fou, on fait ça tout de suite. Oh, je vais là. Flemme. Allez-y, allez-y, faites des trucs entre vous là. Je sais plus où sont mes greux, mais du coup. Oh, j'en fais une bien balai, je pense, ouais. Un jour, j'affrai. Non mais je dois choisir entre mourir de du lance-roquette ou de lui. J'avais plus de chance face à lui, donc je choisis lui. Hop là, petite plante. Hop là, je le tiens. Allez, on dit que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai loot? La vie, c'est bien. Je vais manger mon poisson. Ça fait de la vie, déjà. Ensuite, j'ai looté ça. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Juste que je sais plus faire un. Ils saoulent les insectes, ils saoulent. Parce que je sais très bien qu'ils vont m'immobiliser pendant que je me ferai tirer dessus par le reste du monde. Du coup, bah, je suis obligée de m'en occuper avant.
T'as fini, oui? Oh, j'entends des gros bruits. Oh, j'entends une respiration lancinante. Ok, y'a rien d'autre ici? Nope. Qu'est-ce qui m'attend encore? Faudrait que je recommence tout si là je meurs tout de suite? Que j'ai pensé autant de balles en ça. Toujours pas? Ah ah ah. De la poudre. Ah, je pourrais peut-être me faire des balles, à défaut d'en trouver. Mais j'en trouve quand même. Je vais manger ma vipère. Il manque des balles. Bon, attends, il manque de la place. Attends, il va pas m'en manquer longtemps. Voilà. Et hop, j'ai pas de la place. J'avoue que j'ai pris le snipe en plus de toutes mes autres armes. C'était pas malin. C'était pas malin, c'était pas malin. Je donne l'impression que je loot plein de trucs, mais c'est pas vrai, c'est juste j'ai pas la place. Oh, je vois des trucs là-bas. C'est d'où je viens ça? Ouais. Moi j'y vais. Hein. Évidemment que j'y vais. Ok. De nouveau 30 balles, ça c'est bien. Ça va un peu mieux. Je dirais que c'est moins pire. C'est pas dingue, mais c'est moins pire. Ah oui, j'avais oublié ce principe. Complètement oublié. Ah, n'empêche, la dernière fois que j'ai joué, ça fait une bonne semaine. Et quelques, un peu plus d'une semaine même. On oublie, hein. Bon. Y a pas de loot? Je pense que non. Et je pense qu'on va aussi avoir une petite cinématique bientôt. On retrouve Ashley. Ouais, bah c'est un objectif qui est un petit peu constant quoi. On est sur une ligne droite que... Oh. Ashley! Oh, le palais! Palais troglodyte là. Comment c'est classe? La cinématique. Et non. Ah oui, il est là, évidemment qu'il est là. Oh, j'ai pas assez. Et si je le affronte tout de suite, je suis dans la merde. Mon enfant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement partager ce don. Avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas?
Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier. Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce corps sacré? Il est gentil par la bite, celui-là. Merci Albimius. Mius. Albimius. Merci beaucoup, bienvenue. Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni et reçoive la douce miséricorde. Exultons et qu'il en soit ainsi. Ouah. Ah. C'est qui, Sada? Ouais. Bonsoir en hardcore, wesh. Bonsoir, moi c'est Locke, c'est pas en hardcore, mais effectivement. J'ai fini R4 en difficulté normale. Mais je l'avais déjà fait il y a longtemps, le premier. Du coup, je me suis dit, allez go. Mais en vrai, la principale difficulté, je te le dis tout de suite, c'est les munitions. Ashley. Ok. Ashley. Incroyable ce jeu, trop cool, trop cool. Trop, ça fait tellement plaisir de le retrouver. Je vais rester en mode immersion. Ça devrait être par là. Je compte le faire en... professionnel. Je le referai peut-être aussi en vrai, parce qu'en plus j'ai loupé des trucs. Ça me chauffe bien. Mais hors live. Je le fais une fois en live, mais je vais pas le faire plein de fois en live. En live, oui. Ouais, ouais, t'as vu, on a des... J'ai une répartie incroyable. mais c'est vrai que, ouais, hors live, je pense que je le referai. Oh, oh là là, cette scène, elle est d'une classitude. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore. Avec les émotes. Normalement, j'enlève l'émote wall pour les jeux immersifs. J'ai oublié de le faire. On préférait Léon. Ah, j'avoue que bon, à part ses punchlines moisies, je l'aime bien, ouais. Après, j'ai pas fait les jeux avec Jill. Et je pense que c'est un perso trop stylé aussi. Ça me donne envie de faire le 2 et le 3. En remake. Félicitations! Non! Je pense que en vrai, je pense que c'est moi après ma dernière cuite, ça. Bah, tu es de rire, hein, franchement. T'as pas envie de lui dire, mais. Gueule. Cette fois, ce sera différent. Quel BG. Commence par toi. Non, pas question. Non, pas question, si ça foire. Je te l'ai dit. Je vais te ramener chez toi. Ça va aller. Non, mais tu sais vraiment ce que tu fais? Voulez-vous soigner? Oui. J'aime beaucoup ce genre de système. Soigner un virus mortel? Oui. Ah,
j'adore. Bon. Merci d'avoir utilisé. Merci d'avoir utilisé Fast Medicine. N'oubliez pas de nous laisser des étoiles. À la prochaine. C'était la fin du chapitre 15. On va passer au 16 immédiatement. Mais d'abord, des bisous la VOD. Des bisous.